Parti pour 100, presque 150 bornes là, avec du D+ et du caillou. Super, magnifique. C'est un massif qui a cette particularité d'avoir 80 lacs d'altitude. Sur le parcours de l'échappée belle, on aperçoit une trentaine de lacs. Donc c'est quand même grandiose. Mais voilà, ça participe à la beauté de la course. Les coureurs, ils sont en train de faire des yeux. Comme tu vois, super ravito, des bénévoles, il y a des anciens, il y a des nouveaux, ça se passe bien, super ambiance. C'est la cinquième fois que je suis allé à Chapelle-Belle et j'adore. C'est parfait, le paysage c'est magique. C'est bon. Somchi, bonjour. Non mais je suis français, mais c'est pas mal en anglais. Là, super temps, les bénévoles toujours aussi top. Ah, c'est super, ouais, merci beaucoup. Bravo, on va être en forme jusqu'à la fin. Nous, on va être nickel jusqu'à la fin. On réfléchit à comment on va tourner la plage. Ouais. C'est magnifique. On m'avait dit qu'il y avait des cailloux, mais je trouve pas trop. Non, franchement. Pas des choses aussi techniques, aussi compliquées. On prend la réputation de l'échappée belle, maintenant que je l'ai fait. Je pense du coureur. On peut avoir 10 ans de trail si on ne s'est pas préparé pour faire l'échappée belle pendant l'été, qu'on a fait autre chose. Je pense que c'est un peu compliqué.
Bah, c'est fabuleux là. Ah oui, là. Putain, les mirettes, hein. Que dans moins d'une demi-heure, on va préparer le petit barbecue. Le feu pour le barbecue. Apéro basque ce soir. Pas de charan. Super performance là. On fait un petit plat. Ouais, on est qu'à la moitié, mais pour l'instant ça va. Vraiment une belle aventure, une grosse traversée. Voilà, d'enchaîner toutes ces sections et tout ça, c'est vrai que ça passe super vite, c'est très motivant, c'est bien varié. Mais au final, ça fait beaucoup de sections quand même, mais c'est quand même. C'est une course particulière, on va dire. Voilà, faut bien doser son effort, bien se gérer, bien se connaître. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à. Enfin voilà, un événement, une course à découvrir. Après, peut-être pas le premier ultra trail à faire ici, mais maintenant c'est. Je vais traverser. Là, c'est vraiment très dur. Je trouve que c'est très très dur, beaucoup plus dur que ce que je pensais. Si j'arrête, ce sera pas à cause de la bille. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile dès le départ, mais en fait ce qui est difficile c'est la répétition de toutes ces montées raides et descentes raides dans les pierres. Mais sinon c'est pas un terrain, si on fait une balade, genre si on va faire le col de la vache et puis on rentre à la maison, c'est technique mais c'est pas infaisable.
difficile, hein. Très difficile, très 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 compliqué. Nous on est du nord, on n'a pas l'habitude du dénivelé. Très technique, ouais. Très exigeant. On s'est arrêté boire une bonne bière parce que nous les gens du nord, c'est ce qui nous a manqué sur le parcours. Ben là on vient de partir, on a déjà fait ce matin, c'était un peu compliqué sur la matinée, mais là on va essayer de passer une bonne nuit. Plein les yeux, plein les genoux. Échelle humaine, respectueuse de l'environnement, des gens. Allez, la cloche est pour toi. Ouais, je me suis vraiment fait plaisir à plein d'endroits. C'était vraiment très beau, très très beau. Quando tu la finisci, très joli, très feliz, contento. Bella. On y est avec cette super image, mesdames et messieurs. Deux champions à la première. Ouais, un événement simple avec les gens, quoi. Donc, je crois que c'est ça qui plaît beaucoup aussi.